Bonjour les amis, je suis Simone Sampéré, voici mon troisième ouvrage, L'herbier de mon tour du monde. Il est le fruit de mon observation en tant que peintre et non de botaniste. Et voici le premier que j'avais fait sur mon tour du monde de Bougainville, sur 9 mois, 72 000 km, et dans les trois océans. J'ai peint une centaine de végétaux pris sur le vif d'un tour du monde de 9 mois, sur les océans dont je vous parlais, Atlantique, Pacifique et Indien. Sur les pas du grand naturaliste Philibert Commerson et de sa compagne Jeanne Barrette, travestie en homme et qui l'a beaucoup aidé à herboriser pendant ce long voyage à travers les mers. Ces plantes endémiques, observées et collectées par ces deux botanistes, pour la plupart endémiques, sont écrites médicinales par Claude Dutreix, naturaliste botaniste, au pied de chaque fleur qui est ici dans cet ouvrage. On pourrait découvrir 80 plantes que j'ai peintes de pays en pays, estiquées, c'est magnifique. Et j'ai pu les conserver dans mon sac à dos sans les abîmer pendant tout ce voyage. C'était important de les rapporter afin d'en tirer cet ouvrage. Voilà. Ce recueil est un mémoire de leur héroïque odyssée sur un tour du monde qui s'est terminé dans l'océan Indien. D'une façon malheureuse, puisque Philibert Commerson, à 46 ans, décède à l'île Maurice d'épuisement complet d'avoir tant herborisé pour l'humanité. Et c'est Jeanne Barrette qui s'occupe de faire ramener ces 5000 plantes au jardin du roi au 18e, c'était le roi Louis XVI à son retour. C'est aussi un hommage à la nature et ses bienfaits pour notre santé. Chers amis, vous pouvez participer à la souscription de ce livre, de cet herbier suivant les indications ci-dessous. Ce sera un plaisir de vous le faire découvrir. Merci de votre soutien. À bientôt.